Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve pour cette 14e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette 14e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement un 5 par 5 par 4. Pour résoudre un 5 par 5 par 4, vous devrez déjà être capable de résoudre le 4 par 4 par 5 et le cube 5 par 5, ou plus exactement, vous devrez être capable de résoudre les centres d'un cube 5 par 5. Si on observe une face latérale du 5 par 5 par 4, on constate qu'on trouve un nombre impair de pièces dans un sens et un nombre pair de pièces dans l'autre. Ça signifie en pratique que les faces latérales du 5 par 5 par 4 seront limitées à des rotations de 180 degrés et que le 5 par 5 par 4 sera donc un cuboïde qui conserve sa forme au cours de sa résolution. Mon exemplaire du 5 par 5 par 4 n'était pas étiqueté à l'origine et j'ai choisi de respecter la disposition des couleurs d'un cube standard. En particulier, j'ai affecté les couleurs blanche et jaune aux deux faces carrées du cuboïde. Si ce n'est pas le cas du vôtre, vous devrez adapter la suite de mes commentaires à votre exemplaire. Pour résoudre le 5 par 5 par 4, on va reprendre exactement la trame du 4 par 4 par 5, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'occuper de résoudre ses centres complets, ensuite on passera à la résolution de ses arêtes complètes supérieures et inférieures, et finalement on le résoudra rangée par rangée, comme n'importe quel type de cuboïde. Pour commencer la résolution du 5 par 5 par 4, on va d'abord chercher à résoudre ses centres complets sur les quatre faces latérales du cuboïde. En pratique, on va chercher à créer des alignements de trois centres de même couleur dans chacune des deux rangées horizontales internes du cuboïde. En fait, cette résolution va beaucoup s'apparenter à celle de ce que j'avais appelé les centres étendus sur le 4 par 4 par 5. Dans un premier temps, on peut commencer par des rotations simples. Par exemple ici, je vois que j'ai deux centres de couleur bleue. Et si je tourne le cuboïde de cette manière, je m'aperçois que j'ai ici un centre bleu isolé qui est dans la bonne configuration pour venir se placer à côté des deux autres sur la face avant. Autre exemple ici, cette fois-ci en deux temps, je remarque ces deux centres individuels verts. Et je remarque que j'ai un troisième centre individuel vert que je vais pouvoir venir placer ici, en tournant le cuboïde de cette manière. J'ai ici donc deux centres verts qui se retrouvent sur la même rangée et je vais venir prendre ce troisième centre vert pour l'amener dans cette rangée. Pour ça, je vais tourner la rangée centrale de 180 degrés, ce qui va amener le centre vert sur la face opposée. Je vais le changer de rangée en tournant cette face de 180 degrés et je pourrai ensuite le ramener sur la face avant, ce qui me permet d'obtenir ce centre étendu vert. De manière générale, on échangera toujours des centres entre deux faces opposées du cuboïde, qui seront en pratique les faces avant et arrière. Si on s'aperçoit que le centre étendu que l'on cherche pour échanger des pièces avec lui se trouve sur la face gauche ou la face droite, on devra ramener ce centre étendu sur la face avant ou sur la face arrière, de la même manière qu'on l'a déjà vu dans le cas du 4x4x5. Ici, je m'aperçois que je n'ai plus que deux centres étendus à résoudre, celui-ci et celui-là, et on voit que je n'ai plus que deux couleurs qui interviennent dans la résolution de ces derniers centres étendus. Donc dans ce cas de figure, je vais disposer ces centres étendus de manière à ce qu'ils se trouvent dans la même rangée sur deux faces opposées lorsque je tourne le cuboïde comme ceci. Dans ce cas de figure, je constate que j'ai ici deux centres verts dans la même rangée et qu'il manque le troisième centre vert pour résoudre ce centre étendu. Or, ce centre vert se trouve sur la face opposée, donc je pourrais choisir de l'amener comme ceci pour créer ce centre étendu vert. Le problème, c'est que j'ai détruit le centre étendu rouge qui se trouvait ici, donc je vais revenir dans un premier temps à la configuration originale. J'ai donc ici un centre étendu rouge. Donc si je veux que rien ne change dans cette rangée suite à la rotation de la rangée centrale, je vais pouvoir amener à la place de ce centre étendu bleu l'autre centre étendu rouge qui se trouve déjà sur le cuboïde. Et je remarque qu'il se trouve dans mon exemple sur la face gauche, donc je vais pouvoir échanger sa position avec celle du centre étendu bleu. Pour ça, j'emmène le centre étendu bleu sur la gauche, je tourne cette face et je peux ensuite ramener le centre étendu rouge sur la face avant.
À partir de cette nouvelle position, je n'ai plus qu'à tourner la rangée centrale pour obtenir ici un centre étendu orange et ici un centre étendu vert. Et sachant que j'ai échangé un centre rouge avec un autre centre rouge, rien n'a changé en apparence dans la rangée inférieure, j'ai toujours un centre étendu rouge résolu. Maintenant que les centres individuels sont regroupés par assemblage de trois centres de même couleur, je vais pouvoir rassembler deux groupes de trois centres de même couleur pour obtenir un centre complet. Ici, j'ai par exemple ce centre étendu rouge que je peux venir placer au-dessus de l'autre pour créer un premier centre complet rouge. D'après la disposition standard des couleurs, je sais qu'à l'opposé de la couleur rouge, j'ai normalement la couleur orange. Donc je vais devoir compléter ce centre étendu orange d'un deuxième centre étendu orange pour résoudre ce centre complet. Ce centre étendu orange se trouve sur cette face, mais je ne vais pas l'amener de cette manière au-dessous de l'autre, puisque si je procède ainsi, je vais détruire le centre rouge sur la face opposée. Je vais donc tourner cette face droite pour placer le centre étendu orange à la même hauteur que l'autre, dans la même rangée. Et je vais venir chasser ce premier centre étendu avant de tourner la face de 180 degrés et de ramener l'autre centre étendu. Et j'ai donc bien reconstitué un centre complet orange. Je vois ici que j'ai résolu en parallèle au centre complet rouge et orange les centres complets bleu et vert. Mais je dois m'assurer que leur disposition est la bonne. Or, sur un 5x5x4, les centres complets, les faces supérieures et inférieures carrées, ont un centre fixe. Et c'est donc ce centre fixe qui va imposer sa couleur à l'ensemble de la face quand le cuboïde sera résolu. Je me souviens que dans la disposition standard des couleurs, je dois normalement trouver les couleurs bleu, blanc et rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Or ici, je les trouve dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela revient à dire que je vais devoir permuter deux centres complets opposés sur deux faces latérales du cuboïde. Si je choisis de permuter par exemple les centres complets bleu et vert, voilà comment je vais m'y prendre. Je vais d'abord tourner de 180 degrés la partie supérieure du cuboïde, ce qui permet d'amener la moitié du centre complet vert sur la face avant. Ensuite, je vais tourner cette face avant de 180 degrés et même chose pour la face arrière. Et il ne me restera plus pour finir qu'à tourner à nouveau la moitié supérieure du cuboïde, ce qui permettra d'obtenir un centre complet vert sur la face avant, un centre complet bleu sur la face arrière, et en vérifiant, j'ai bien les couleurs bleu, blanc et rouge, cette fois-ci dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Une fois qu'on a résolu les centres complets des quatre faces latérales du cuboïde, on va s'intéresser à la résolution des centres complets de ces faces supérieures et inférieures carrées. Et on a vu que sur ces deux faces, c'est le centre fixe qui impose sa couleur à l'ensemble de la face. A partir de cet indice, on va donc échanger des centres entre ces deux faces opposées, exactement de la même façon qu'on le ferait sur un cube 5x5 lorsqu'on résout les deux derniers centres complets. Une fois que les deux derniers centres complets du cuboïde sont résolus, on va pouvoir passer à la résolution des arêtes complètes supérieures et inférieures. Et pour ça, on va procéder une nouvelle fois de la même manière que le 4x4x5. Seule différence, on aura ici trois arêtes à assembler au lieu de deux. Pour l'exemple, je vais choisir d'assembler ici les arêtes rouges et jaunes. Ici, je remarque que j'ai une deuxième arête rouge et jaune, donc je vais tourner la face inférieure pour venir placer la deuxième arête ici. Et en tournant la moitié droite du cuboïde, je peux donc amener cette deuxième arête rouge et jaune dans la même arête composée que la première. Je vais devoir ensuite isoler cet ensemble de trois arêtes sur la face gauche ou sur la face droite, à la place d'un groupe de trois pièces qui n'est pas déjà une arête complète résolue. J'ai par exemple ici trois arêtes individuelles qui ne forment pas une arête complète résolue. Je vais placer cette arête vers le bas. Je vais ensuite isoler mes arêtes rouge et jaune vers la gauche. Je vais échanger leur position avec ces pièces que je vais pouvoir ramener sur la face avant avant de rétablir les centres en tournant de nouveau cette moitié droite du cuboïde.
Les deux arêtes rouges et jaunes se trouvent donc ici. Je vais réorienter le cuboïde de cette manière. Et je vais chercher la troisième arête rouge et jaune. Il se trouve que dans mon cas, elle est ici. Donc je vais tourner la rangée inférieure de manière à la placer du côté de la face arrière. Et je vais pouvoir l'amener par une rotation de la rangée centrale au milieu des deux autres, comme ceci. Et je vais pouvoir isoler une nouvelle fois ce groupe de trois arêtes, maintenant assemblées, sur la face gauche ou sur la face droite, comme on l'a vu précédemment. Si je choisis la face gauche, je place ces pièces ici, j'échange leur position contre ces trois autres arêtes que je peux ramener sur la face avant, avant de rétablir l'orientation de la rangée centrale de manière à retrouver tous mes centres complets. Et je constate que j'ai bien obtenu une arête complète formée de trois arêtes individuelles rouges et jaunes. Et je vais reprendre exactement le même principe pour résoudre toutes les arêtes supérieures et toutes les arêtes inférieures du cuboïde. Une fois que toutes les arêtes supérieures et inférieures du cuboïde sont résolues, on n'a plus qu'à terminer la résolution du 5 par 5 par 4, rangée par rangée, en commençant par les rangées internes, comme pour n'importe quel type de cuboïde. La dernière étape de la résolution du 5 par 5 par 4 sera de régler les cas éventuels de permutation sur les arêtes droites du cuboïde, et on utilisera pour ça l'algorithme habituel. Maintenant que vous savez résoudre le 5 par 5 par 4, je vous invite dans ma prochaine vidéo à utiliser une autre méthode de mémorisation pour se souvenir plus facilement des différents algorithmes de résolution des cuboïdes. Je vais reprendre pour ça le principe de la résolution dite imagée que j'ai déjà introduite dans le cas de ma série consacrée à la résolution des cubes standards. A tout de suite !